Alors nous sommes plusieurs membres ici présents de l'association de la région d'Aquitaine Moteur pour la Vie et nous sommes tous des passionnés d'automobile, principalement de rallye raid mais aussi de véhicules historiques, rallye d'endurance. Et à travers cette association, nous nous sommes regroupés pour bien sûr notre passion mais aussi pour accompagner financièrement des associations humanitaires. Donc depuis 2 ans, nous accompagnons 2 associations. Mécénat chirurgie cardiaque qui permet à des enfants qui ont des malformations cardiaques et qui viennent de pays où on n'a pas les compétences pour opérer, de venir en France se faire opérer. Et voile partagée qui permet à des handicapés de faire de la voile sur notre belle région et sur, notamment sur le bassin d'Arcachon. Donc avec Philippe Dalbon qui est le président de l'association, nous nous organisons pour reverser 20% de notre budget annuel de compétition au profit de cette association. Et ça nous permet d'assouvir notre passion et aussi d'aider des gens qui ont des besoins. Donc on essaie de ne pas courir trop idiot, quoi. Pour moi, en ce qui me concerne, je cours avec mon épouse Corinne, qui est copilote. Notre fils, qui aujourd'hui est copilote également. Et puis Isabelle Auvinet, qui est pilote et qui partage le véhicule, le bowler, avec Corinne. Donc c'est le seul équipage féminin de ce Mammyth de cette année 2013. Bon, Mammyth, l'intérêt du Mammyth, c'est qu'on vient pour s'amuser. Ce que fait Benoît, c'est vraiment un amusement. Nous, on fait quelques manches du championnat du monde et quelques manches du championnat de France d'endurance. Donc là, on est vraiment en course. Ici, on vient pour s'amuser. On vient aussi pour tester le véhicule parce que c'est un proto Toyota FJ Cruiser. Il n'y en a qu'un en Europe comme ça. Donc on l'améliore progressivement et c'est ici pour s'amuser et pour tester. Qui va gagner, les filles ou les garçons ? Oh ben, on va laisser les filles gagner quand même, on n'est pas comme ça. Mais bon, on va voir ce que ça donne de toute façon. On est venu avec. On est 12 de la région de Bordeaux, avec une association qui s'appelle Moteur pour la Vie. Et donc, on essaie de se regrouper et s'entraider, c'est surtout ça. Génial. Faut y croire. On va tout faire pour s'amuser, en tout cas. Voilà. L'année dernière, on s'est retrouvés toutes les deux sur le Mammyth, sur le carreau. Donc on s'était topé dans la main en disant l'année prochaine, on le fait ensemble. On a réussi à combiner tout ça. Voilà, donc je pilote le boiler hein, et Corinne est ma copilote. La jante abîmée, donc on a été obligé de changer la roue, la jante tapait sur l'étrier de frein. On a eu peur parce qu'on a cru que c'était le bruit d'un pont cassé. Bon, en fin de compte, moindre mal. Donc on a changé, on a grignoté et on repart. Et pour cette première partie de ce deuxième jour, ça s'est bien passé ? Très bien, très très bien. Très très bien. Beaucoup de plaisir, très belle dune, beau passage. On est venu pour ça et on a trouvé, c'est bien. Ça marche bien.
On a quand même fait des pointes à 150 sur les pistes roulantes, donc ça va. C'est un circuit qu'on connaissait, c'est une des spéciales d'il y a 2 ans, donc on se reconnaît un petit peu, il y a des points de repère. Et votre fils s'est bien débrouillé ? Ah, excellent, comme il a été copilote en rallye, il a le réflexe d'anticiper les points, donc on n'a rien perdu des points, on a passé, je pense, tous les waypoints. Nickel, on s'est planté vite fait, mais normal, hein, il faut quand même sortir la sangle, hein. Sinon c'est pas marrant. Et non, mais super sensations, super paysage. Des grandes allonges, c'est magnifique, très très beau. C'était la première course avec ton père ? La première avec mon père, ouais, en 4x4, ouais, toute première, donc tout va bien, on s'est pas engueulé, ça va. Je te dirai ça dans 5 jours. Et comment il conduit, papa ? À fond, un branque. Mais autant que ça passe. Et c'est la première fois au Maroc ? Ah, première fois au Maroc, non, c'est un pays que j'adore, donc on vient souvent, on essaie de venir le plus souvent possible. C'était roulant, mais c'était cassant. Il y avait vraiment beaucoup de cailloux, beaucoup de passages, avec des marches et assez cassant aussi. Mais bon, roulant aussi, c'était sympa. On s'est joué un petit peu avec les uns, on essayait de se doubler, trouver des endroits pour doubler. On s'est pris plein de poussière, voilà, comme tout le monde, je pense. Mais ça va être sympa. Ça s'est bien passé, petit passage de dunettes, ça s'est bien passé. Bon là, on a pris une marche très très forte, mais on n'était pas toute seule, parce qu'on s'est arrêté 3-4 après, on a regardé. Bon, les pneus, mais ça faisait un petit bruit, donc maintenant Fred il va regarder s'il y a quelque chose qui nous empêche de repartir. Normalement, je pense qu'on peut repartir aisément. Juste après la CP2, on a une grosse fuite d'huile, et on ne peut pas repartir, puisqu'il y a trop de pertes d'huile, donc le moteur chauffe, et voir si ce soir on peut réparer. Sinon, si on ne repart pas, le Mamie 2013 est terminé. On a un joint speed du pont avant du dépôleur qui fuit. Donc, la solution d'urgence, on va le resserrer. On va essayer de le resserrer. Si ça tient, c'est bon. Sinon, il faut rentrer parce que. Après, quand tu perds trop d'huile, tu peux gripper le pont. Donc, c'est la série, puisqu'on est tous ensemble, tous en famille, tous en panne. C'est une journée un peu compliquée. Apparemment réparé, donc c'est reparti pour la suite. À tout à l'heure à Mamide.